Un sincère, il m'avait fait rencontrer, comment ça s'appelle, un professeur de prépa et qui m'avait conseillé. En fait, c'était objectif prépa et ceux qui demandaient prépa, on les envoyait voir des profs physiques qui analysaient leur dossier et qui pouvaient leur dire si jamais ils pouvaient aller en prépa. Donc, je lui ai montré mon dossier. Je lui ai dit que moi, je mettais l'accent sur l'homogénéité de mon dossier et que je préférais lâcher aucune matière. Il m'a dit que c'était bien. Mais quand il a vu que j'étais cinquième en maths, il a dit qu'il fallait obligatoirement pas descendre en dessous. Je lui ai dit que, bah, et après, il m'a dit que comme j'étais très bien classé en mathématiques expert, j'avais des chances d'être pris dans les meilleurs prépas puisque ça comptait énormément. Donc, ça m'a encore renforcé dans mon projet, puisque là, c'était vraiment un professeur qui était professeur scientifique en prépa, qui me disait que j'avais le niveau et qui m'a conseillé de demander les meilleurs prépas. Et en fait, ça s'est avéré que bah, c'était faux et que j'ai pas pu. Bah, dès la sixième, c'était un peu l'entrée, le début vraiment de la scolarité, puisqu'on commençait à vraiment travailler et avoir des vraies notes. Donc, j'ai commencé à me mettre au travail et je me suis rendu compte que j'aimais ça, j'aimais travailler, j'aimais être le premier, avoir des bonnes notes et engranger des connaissances. Donc, ça a continué. Puis, vers la fin de cinquième, quand les profs se sont rendus compte que j'arrivais à être premier de ma classe 2 années de suite, après, ils ont posé la question à ma mère si jamais il y avait possibilité de m'envoyer dans un autre lycée. Donc, après, on a eu l'idée de m'envoyer à Saint-Cyr, puisqu'on avait eu une personne qu'on connaissait était allée, avait envoyé son enfant à Saint-Cyr et qu'elle nous avait rapporté que c'était dur, qu'il y avait énormément de discipline, qu'il fallait travailler et que le niveau était élevé. Donc, on a eu l'idée de Saint-Cyr. Puis, au cours de l'année de quatrième, ma professeure d'allemand m'a parlé d'un autre lycée à Rouen, lycée Flaubert en bilingue allemand. J'ai été pris aussi, mais j'ai préféré choisir Saint-Cyr puisque, comme ça avait plus de renommée, je pensais que ça allait ouvrir beaucoup plus de voies à la suite des 3 années de lycée au niveau de mes voeux d'orientation. Donc, en troisième, j'ai décidé d'aller à Saint-Cyr. Et donc, tous mes profs m'ont félicité et m'ont dit que c'était vers là que je devais me tourner, puisque le niveau scolaire du lycée public était quand même en deçà de Saint-Cyr. Et le seul moyen d'avoir une chance d'intégrer une prépa en sortant d'un lycée public, c'est soit de finir premier dans toutes les matières avec 20 sur 20 de moyenne partout, soit d'être dans un lycée extrêmement prestigieux. Donc je me suis dit qu'en étant dans un lycée avec un minimum de renommée, ça allait passer tout seul. Au début, je me souviens qu'on entre en classe, on fait un tour de table et on explique pourquoi on est là. Et moi, je leur ai dit que j'étais là pour travailler et pour avoir la meilleure orientation possible à la suite de mes 3 années de lycée. Ils ne sont pas vraiment venus en seconde, puisque comme l'année s'est arrêtée mi-mars, on n'avait pas eu le temps de vraiment discuter avec les professeurs, mais ils nous avaient quand même commencé à nous donner des conseils sur les spécialités qu'on devrait prendre par rapport à notre niveau. Donc moi, j'avais parlé avec mon professeur de mathématiques, il m'avait dit que ce serait bien que je m'oriente vers les sciences, c'est ce que j'aimais, donc j'ai fait ça. Puis au cours de l'année de première, quand j'ai vu que j'avais encore d'excellents résultats et que j'arrivais encore à être premier de classe, j'en ai parlé avec les différents professeurs de spécialité et ma professeure principale, qui m'avait conseillé de choisir des très bonnes prépas pour Parcoursup à la suite l'année prochaine, pour espérer aller dans des grandes écoles, puisque je leur ai dit que c'était ce que je souhaitais. Et ils m'ont conseillé, ils m'ont dit que vu les résultats que j'avais, il y avait de grandes chances que je sois accepté. Et j'ai entendu les mêmes choses au cours de mon année de troisième avec mon professeur principal, qui m'a donné les mêmes conseils. Il m'a dit que vu le dossier que j'avais et le type d'élève que j'étais, ce serait ce qui me conviendrait le mieux. Et pendant la réunion parents-prof avec mes parents, il leur a dit la même chose qu'à moi et comment dire, il leur a parlé de plusieurs prépas, dont Stanislas, Saint-Louis, La Canale, Jean-Sainte-Seille, un peu toutes les parisiennes, puis ne pas oublier de mettre quelques prépas en province, c'est pour ça qu'on avait mis Corneille. Et donc, il avait donné les mêmes conseils, donc j'y croyais. Donc, voilà le moment où on met les prépas sur Parcoursup. Je lui en parle, je donne la liste que j'ai donnée, il les valide toutes, puis je rentre les 9 prépas que j'ai demandées. Donc, en MPSI, en PCSI, je les rentre sur Parcoursup. Et je m'apprête, c'est juin que j'ai été refusé dans plus de la moitié des prépas que j'ai demandées. Et dans toutes les prépas qui me restent, je suis très mal classé, soit les deux, même en pédagogique, où il y a des lycées comme Jean-Sainte-Saïd, où je termine 1900 dans les listes d'attente pédagogique et plus de 6 centièmes dans l'internat. Et je me rends compte que quand je fais défiler les prépas, qu'il y a une seule prépa où ça peut passer, c'est Corneille. Mais quand je compare aux résultats précédents, le pédagogique, ça passe tout juste puisque je suis 388 et que l'année dernière, ils sont allés chercher dans les 400.
Et par contre, quand je vois l'internat et que je vois qu'il y a 40 places et que je suis plus de 200, je suis environ 250, je me rends compte direct que ça le fait pas. Donc après, je lui en parle à mon professeur, il me dit que. Après, il me dit que j'aurais dû demander sans internat, mais pourtant, quand je suis allé le voir et qu'il a vu que bon, par contre, que j'ai demandé 20 prépas avec internat, il m'a pas conseillé, il m'a pas dit qu'il fallait demander avec et sans internat pour pouvoir avoir la proposition de prépa sans internat. Comme il m'a un peu mal conseillé, parce que je savais pas vraiment comment le classement internat a été réalisé. En fait, c'est fait seulement sur des critères sociaux, donc boursier ou non, et les critères géographiques. Mais par exemple, si jamais j'avais été pris dans une prépa parisienne sans internat, payer le logement, la nourriture et les déplacements, pour mes parents, je me rendais compte que c'était extrêmement difficile. Donc après, je lui dis que j'ai aucune prépa, donc il me conseille d'aller voir la conseillère d'orientation professionnelle. Et elle, quand elle regarde mes classements, elle me dit qu'il y a très peu de chances que ça passe. Elle me dit que la phase d'admission complémentaire dans Parcoursup, si jamais j'essaye de revoir une prépa, il y a très peu de bonnes prépas qui redonnent des places. C'est quasiment impossible d'avoir une prépa que je souhaite. Donc du coup, elle me dit que de retenter Parcoursup l'année prochaine. Si jamais l'orientation que j'ai là, le vœu accepté que j'ai de l'INSA à Rouen, ne me convient pas. Je trouve aucune prépa, je vais à l'INSA. Je vois si jamais ça me plaît. Et si jamais ça me plaît, je continue. Sinon, je retenterai Parcoursup tout en suivant l'INSA. Parce que si jamais je me rends compte qu'en demandant Parcoursup, j'ai encore rien, bah, je continue à l'INSA. La conseillère d'orientation professionnelle, elle m'a très mal conseillé, parce que je lui ai posé la même question. Je lui ai dit que. Je lui ai demandé si jamais c'était noté néo-bachelier. Enfin, si jamais j'étais bachelier à même année, elle m'a dit que c'était. Fallait faire un an de plus. Et elle m'a dit mot pour mot que ça allait être avantageux pour moi, puisque j'aurais un an d'expérience supplémentaire. Quand j'ai vu, par exemple, sur des prépas comme. Quand je suis allé sur Parcoursup et que je m'en suis rendu compte qu'il y avait 11 prépas sur les 20 que j'ai demandé, parce qu'avec MPSI, PCSI, si on ajoutait deux, ça faisait 20. Donc je lui ai posé la question, en fait, à mon professeur, pourquoi j'avais autant de prépas qui m'avaient refusé, et où il m'a dit que c'était principalement pour l'internat, mais il y avait quelques-unes, c'était pour le niveau scolaire. Donc après, il me restait 9 prépas où je suis allé voir les classements qui me restaient, et je me suis rendu compte que j'étais très mal classé, donc je lui ai posé la question à mon professeur, et il m'a dit qu'il ne savait pas trop. Donc avec mon père, on a envoyé des mails aux prépas. Donc au prépa que j'avais demandé, donc la prépa qui nous a répondu, il me semble que c'est le lycée du Parc à Lyon. Donc on lui a demandé comment c'était possible que je sois que 2000e, comme j'étais classé 5e en mathématiques ou 4e, mon dossier il n'était même pas étudié, et que j'étais placé tout à la fin de toutes les demandes en fait. Et qu'il disait comment dire, même la fiche à venir, même la lettre de motivation, rien n'était étudié et tout était fait machinalement. Et donc du coup c'était impossible d'espérer avoir une place. Et quand je regarde tous les classements pédagogiques sur Parcoursup, le seul lycée où ça pouvait le faire, c'était le lycée Corneille à Rouen. Et encore, c'était tout juste avec les données de l'année dernière. En fait, comme à chaque moyenne est associée des points, et en fait, en addition, c'est comme tout est fait sur ordinateur, donc tout est numérisé, donc c'est l'ordinateur, il ne peut pas lire ma lettre de motivation et la fiche à venir. Donc juste on additionne tous les points, on est tous classés comme ça. Puis si on est au-delà d'un certain rang, on est mis tout à la fin et aucun humain ne va lire notre dossier. Quand j'ai ouvert le 2 juin Parcoursup vers 19h quand le résultat se tombait, je suis tombé des nues, je comprenais pas pourquoi. Puis après je suis allé voir la fiche à venir, je me suis posé la question, se trouve c'était écrit par les professeurs que j'avais pas le niveau. Puis après je me rends compte que les commentaires laissé par mes professeurs, c'est écrit noir sur blanc que j'ai le niveau pour aller en prépa. Et après, je re-regarde mes différents bulletins, donc, qui a été envoyé sur Parcoursup aux écoles, et je me rends compte que c'est pas vraiment le classement qui a joué, puisque j'ai des camarades qui, eux, ont été pris, et on avait des classements identiques. Au jour d'aujourd'hui, je comprends pas pourquoi j'ai pas été pris, donc c'est pour ça que j'essaye d'avoir des réponses, et qu'au moins, un humain lise mon dossier, parce que comme j'ai déjà dit, la plupart des lycées, dans la plupart des prépas que j'ai demandé, personne, aucun humain n'a lu mon dossier. C'est juste l'algorithme de Parcoursup et l'algorithme de la prépa qui l'a géré et qui m'a classé dans les dernières positions à chaque fois.
j'ai un camarade qui est dans une classe différente et qui a été pris, par exemple, à la Canale. Donc, on est dans deux spécialités mathématiques différentes. Donc, lui, il a réussi à finir premier sa spécialité mathématique et moi, j'ai fini cinquième. Mais quand on compare nos diplômes, parce qu'après, on se retrouve ensemble dans la même spécialité, dans la même classe de mathématiques expertes. Et là, j'arrive à finir devant lui. Et après, je me rends compte, le 2 juin, je suis allé poser la question et je me rends compte qu'il a été pris à la Canale. Et pourquoi il a été pris? C'est juste parce qu'il a, il est très bien placé en mathématiques. Après, son positionnement, il peut être aussi expliqué parce que on a 3 classes de mathématiques, de spécialité mathématiques à Saint-Cyr. Et le niveau entre les 3 classes, il est très différent. C'est-à-dire qu'on a une classe avec un niveau plutôt faible, une classe avec un niveau moyen et une classe dans laquelle je suis où il y a énormément de bons élèves, dont plusieurs qui se sont allés en prépa. Il y a une personne qui a réussi à aller à Saint-Louis, un autre à Auch et un autre qui a réussi à aller à Corneille. En fait, la façon dont tu fais Parcoursup ne prend pas en compte le niveau, l'écart de niveau qui peut exister entre différentes spécialités au sein d'un même établissement. Parce que comme aujourd'hui, on a beau être en classe dans le matière tronc commun, on est tous dispersés dans les spécialités et sur Parcoursup dans la fiche à venir. Notre professeur, quand il note le niveau de classe, ben en fait, il note seulement le niveau de la classe globale dans le tronc commun, mais personne n'est au courant du niveau de la classe de spécialité de mathématiques ou de physique dans laquelle je suis, par exemple. Comme aujourd'hui, tout joue sur les 2 spécialités mathématiques et physique. Par exemple, en mathématiques, j'ai beau finir 5e, je me suis dit que 5e, c'était un bon rang, parce que quand je suis allé voir du coup, l'objectif prépa avec le professeur de prépa de Saint-Cyr, il m'a dit que 5e, il ne fallait surtout pas descendre en bas, mais normalement, 5e, c'était le strict minimum et je pouvais demander les meilleurs prépas avec ça, vu que j'étais premier ou deuxième dans toutes les autres matières. Donc, c'est pour ça que j'ai continué comme ça au deuxième trimestre et que j'ai un peu plus forcé sur, évidemment, les 2 spécialités pour essayer d'avoir le meilleur classement. Mais comme je travaillais aussi énormément la philosophie, où j'ai réussi à finir premier parce que je tenais beaucoup à ça, puisqu'on m'avait dit que pour rentrer dans les grandes écoles, ce qui faisait la différence, c'était le français au concours. Donc, c'est pour ça que j'ai énormément appuyé dessus. Et notamment les langues aussi, puisque je sais que c'est extrêmement important. Et alors que les personnes qui sont devant moi dans les différentes spécialités, eux, jouaient principalement sur ne travaillaient presque principalement que ces 2 spécialités. Et après, on se rend compte qu'en fait, toutes les autres matières peuvent être jetées à la poubelle et que c'est seulement les 2 qui restent. Il y a un premier tri qui est fait où la majorité des élèves sont enlevés. Je pense que le premier tri est effectué seulement sur les mathématiques et la physique. Et après seulement, il regarde les autres matières, en fait. Mais c'est ça qu'on a mal expliqué. C'est juste que, comme j'ai été viré dès le premier tri, ils n'ont pas pu voir que j'avais un bon dossier dans les autres matières. Comme dans les lycées publics, ils sont obligés de surnoter énormément leurs élèves pour essayer de les envoyer dans des bonnes classes préparatoires s'ils les demandent, pour pouvoir concurrencer avec des élèves qui sortent de lycée élitiste. En fait, la note aujourd'hui, elle ne veut plus rien dire et tout est basé uniquement sur le classement. Même pour nos professeurs. Ils nous le disent qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de surnoter un peu leurs élèves dans le public. Donc, du coup, eux, ils sont un peu obligés de le faire, mais à minima. Et donc, aujourd'hui, tout est basé sur le classement qu'on a dans nos matières. En fait, comme chaque professeur a sa propre notation, je prends l'exemple de Saint-Cyr où, par exemple, il peut arriver que des professeurs d'une même matière et une notation complètement différente. Donc, les professeurs qui notent dur sont obligés de surnoter. Donc, toutes les notes sont un peu au même niveau, donc ça ne veut plus vraiment rien dire. Donc, tout est basé sur le classement. Et c'est pour ça qu'en fait, avant les épreuves de bac, ça voulait dire quelque chose, parce que comme c'était des épreuves communes de tout le monde, et comme c'était des épreuves communes nationales, là, on avait enfin une vraie note et on pouvait enfin voir notre réel niveau par rapport au niveau global des élèves de France. Il faut mieux être le premier parmi des gens qui ont un niveau moyen plutôt qu'être dans les meilleurs d'une classe qui a un excellent niveau. Dans mon cas, quand j'examine mon cas, j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi j'ai pas été pris. Donc c'est pour ça que j'essaye d'avoir des explications, mais on se rend compte qu'en fait, pour Parcoursup, on était juste un numéro d'inscription, et en fait, le Parcoursup ne prend pas en considération les différentes spécificités de chaque dossier. Et quand on a un problème, dans mon cas, par exemple, c'est extrêmement difficile d'essayer d'obtenir des informations sur pourquoi on n'a pas eu tel ou tel vœu, et d'essayer d'avoir
d'explications de la part des personnes qui gèrent Parcoursup ou des différentes autorités ou des différentes prépas que j'ai demandé, par exemple. Tout d'abord, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même dans mon école d'ingénieur à Rouen et de voir les différentes possibilités qui s'offrent à moi, parce que l'INSA, il y a quelques possibilités de ressortir avec un double diplôme allemand, je me suis déjà renseigné. Après, comme jeune adulte, quand je vois Parcoursup, je me rends compte que le niveau scolaire, il est en baisse constante, puisque maintenant, comme tout le monde est surnoté, par exemple, je prends des élèves que je connaissais à Saint-Cyr, du coup, qui se voyaient avec 15-16 et qui n'avaient pas envie de donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils pensaient que c'était extrêmement bien, alors qu'en fait, la moyenne de classe, c'était à 17, par exemple. Donc, on se rend compte que le niveau baisse à chaque fois, puisque les notes sont surmontées et on n'est jamais au courant de notre réel niveau. Et comme aujourd'hui, les épreuves de bac sont repoussées à un maximum, donc là, je viens juste de recevoir mes notes et les épreuves, je les ai passées en mai, on n'est pas vraiment au courant de notre véritable niveau au niveau national. Donc c'est aussi ça qui est un peu trompeur, parce que là, par exemple, à Saint-Cyr, j'étais premier de classe et j'avais l'impression d'être extrêmement fort et de mériter ma place dans les meilleurs prépas. Et après, quand on est avec les professeurs, ils nous disent qu'en fait, y a énormément d'élèves méritants, mais après, ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils sont un peu surnotés. Donc, en fait, le fait qu'il n'y ait pas d'examen commun national, ça met personne sur un pied d'égalité. Donc, c'est un peu compliqué de s'en sortir. En frappant du fait qu'aujourd'hui, avec la réforme, on n'a pas toutes les informations en main. Par exemple, au début d'année, quand on a su que les épreuves étaient en mars, on devait rendre le Parcoursup fin mars environ nos vœux, j'ai essayé de demander à mes différents profs de spécialité, comme on passait les épreuves début mars, est-ce que ça comptait pour Parcoursup? Et ça a duré plusieurs semaines où aucun de mes professeurs n'a su me répondre si jamais les épreuves de spécialité, la note de nos épreuves de spécialité allait être inscrite dans Parcoursup. Donc après, il s'est avéré que non, vu que les épreuves ont été déplacées, mais au début d'année, personne ne le savait. Et donc, je pense que prendre en compte les notes de bac, ça permettrait de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et pouvoir, par exemple, repêcher une personne qui est, par exemple, dans mon cas, qui était juste dans une classe avec un très bon niveau et qui pourrait accéder à l'orientation qu'il avait demandé, par exemple.